Au nombre de réalisations dont la population du jeune département d'Ito dans la province de l'Ennedi-Est a bénéficié, figure le bassin de rétention d'eau des marais. Cet investissement du chef de l'État fait la fierté des habitants de cette partie du territoire national. Une infrastructure d'importance capitale, surtout qu'Ito est une zone d'élevage par excellence. Outre son impact sur l'élevage, ces bassins de rétention d'eau permet également aux paysans de pratiquer des cultures maraîchères. Je profite au nom de la population du département de Ito de remercier le chef de l'État par rapport à l'innovation. C'est vrai, le président a fait beaucoup de projets au niveau du département, mais le bassin de rétention d'eau a donné beaucoup d'avantages à la population. Et ce ne reste qu'il y a des ONG qui sont venus placer ici et ils sont en train de préparer avec la population pour vraiment faire des projets, des innovations par rapport aux cultures maraîchères et d'autres. Les cadres du département d'Ito, à l'exemple de Mahmoud Hissène Assour, tout comme des citoyens ordinaires, se sont montrés reconnaissants aux efforts du président de la République, Idriss Déby Itno, et invitent les fils de la localité à une synergie d'action. Nous demandons à tout le monde, les cadres du département, et plus particulièrement au niveau de la commune, de prendre ces projets à main et les garder dans de bonnes conditions. Dans ce département, l'eau est un besoin crucial, d'où la satisfaction de l'appréciation de cette réalisation du chef de l'État.